Regardez comment on fait le dialogue social, comment il se passe. Ça fait 3 jours sans interruption qu'un groupe d'enseignants du Val d'Oise occupe une salle à l'intérieur du rectorat de Versailles pour dénoncer les conditions d'enseignement. Je me trouve juste devant, mais comme je ne peux pas rentrer, on va les appeler pour savoir comment ça se passe. Alors nous sommes les enseignants du bassin de Garches, Sarcelles et Gonesse, enseignants de l'IT, et nous occupons le rectorat depuis maintenant lundi matin à 8h, afin de demander donc des moyens supplémentaires pour enseigner dans des conditions dignes. On y est rentré par... plutôt par hasard, parce qu'à la base on partait plutôt sur un blocage. Finalement on a profité d'une brèche par les employés pour rentrer et s'infiltrer dans le rectorat. Et donc on occupe cette grande pièce, plutôt sympathique. Alors sympathique, si relatif, parce que regardez comment on dort. C'est plutôt à base de carton et de duvet lancé par les camarades d'hier. D'ailleurs les camarades qui nous apportent de la nourriture, qui nous apportent aussi de quoi un petit peu se laver, parce qu'on s'aime bien entre collègues, il y a des limites. Donc au début, ils nous les ont lancés, voilà, au-dessus des barrières. Et maintenant, c'est les employés du rectorat qui nous transmettent les sacs donnés par les camarades. Il s'agirait de varier un peu, parce que 6 boîtes de sardines, c'est bien, mais à la fin, on n'en peut plus des sardines. Du café, mais décaféiné, les copains, ça, c'est pas cool. Et les Ferrero Rocher, c'est super, hein, on adore, mais ça nourrit pas beaucoup. On a également, et fort heureusement, eu du linge propre. On a quoi tenir. Mais pas hyper longtemps, voilà. Donc ça, du shampoing pour crâne chauve, voilà, 2-3 petits trucs. Avec ça, on sera impeccable pour tenir encore pas mal de temps. Au lycée Simone de Beauvoir, il y a opération lycée mort depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est 92% d'absents, c'est-à-dire que les parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école en soutien aux demandes des professeurs. La raison de notre venue ici, de cette occupation, c'est que la situation dans nos établissements ne tient pas, ça craque. On a plus de 35 élèves par classe, nous sommes dépouillés. Ça fait des années maintenant que les moyens attribués par le ministère diminuent. On demande de pouvoir faire notre métier dignement. Pour ce faire, on demande de façon urgente un allègement de nos effectifs. Un plafonnement au lycée à 30 élèves, c'est tout ce qu'on demande. Et 24 élèves au collège. On a eu le recteur pour ça. Que nous a-t-il répondu le recteur? Qu'il ne pouvait rien faire parce que c'était le ministère qui lui donnait donc des enveloppes budgétaires finalement beaucoup trop faibles. Donc pour cela, nous exigeons une audience au ministère. Ça sera pas la force, nous on sortira pas.